Depuis 6 ans, nous travaillons tous ensemble avec les enseignants qui ont été nommés sur cette école, mais aussi l'équipe d'architectes, les enfants du quartier, les associations et les parents sur ce projet d'école qui, grâce à cela, est devenue une école qui sert le projet pédagogique, est extrêmement innovante dans l'organisation des espaces. Il y a une salle à destination des parents, les classes sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des petits coins pour des petits ateliers, mais également des très grandes pièces. Tout le mobilier est pensé à la hauteur d'enfants, qu'ils soient d'âge de classe maternelle ou d'âge de classe élémentaire. Il y a du mobilier également qui permet d'aider à la concentration des enfants. Enfin, tout est extrêmement novateur. C'est un bâtiment dit passif, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Il est extrêmement novateur d'un point de vue écologique, d'abord par sa conception, en laissant rentrer énormément de lumière, mais également par une maîtrise thermique du bâtiment. Et puis, il y a également une très grande place qui est laissée à la nature. Que ce soit dans la cour d'école qui est entièrement sans bitume, tout le sol est perméable, elle est très végétalisée, il y a un verger, un petit amphithéâtre, enfin, les enfants sont très connectés avec la nature, mais aussi également avec les terrasses. À chaque étage, vous avez une forte place qui est laissée à la végétation et notamment par des jardins pédagogiques qui permettent aux enfants de planter et de suivre le rythme de leur plantation. Donc c'est une école qui permet en plein cœur de ville aux enfants d'être vraiment connectés avec la nature et le vivant. Toute l'école est pensée pour servir le projet mené par des enseignants. Et ce qui est unique, c'est que en fait, une école, généralement, ce sont les enseignants qui doivent adapter leurs pratiques pédagogiques au bâtiment. Or là, au moment où nous choisissons l'équipe d'architectes, eh bien, nous mettons en relation l'équipe d'architectes avec cette équipe d'enseignants qui a été mobilisée sur un projet pédagogique il y a 6 ans déjà. Et donc depuis 6 ans, nous avons préparé cette école tous ensemble avec un bâtiment qui répond totalement au projet que souhaitent décliner les enseignants en lien avec les associations et les parents du quartier.